Et bonjour, 6ème épisode d'Entre l'Esprit sur Metroid Dread, j'espère que vous allez bien. Direction Bourania, donc je pense qu'il va y avoir une ellipse assez rapidement. Non mais c'est pas là, c'est là. Histoire de, voilà, on se retrouve peut-être un peu plus proche de la zone. Histoire de d'avancer. En tout cas d'essayer d'avancer sur le chemin ouvert par Toa. Je crois. Non bah, voilà. L'espèce de créature qui nous a expliqué la situation, quoi. On aurait dit un peu un Chozo, mais du coup, non. Chozo. Oh, je sais plus. Ça y est, l'amnésie. Bon, là, il y a un secret. Oui, alors du coup, oui, j'ai changé de manette. J'ai une manette qui a le Joy-Con Drift, mais... qui me semble le Joy-Con Drift, en tout cas. Mais au moins, elle a un bouton R qui fonctionne. Ah mais c'était là, on avait vu que c'était là. Ah ouais, mais du coup c'est la douille. Je vois pas à quel endroit j'obtiens la vitesse nécessaire en fait. Mais bon. Ok, on arrive en Bourania. C'est bon. Bon. Ça m'a pris quoi, 5 minutes? Un peu plus. Ça va. Au final j'ai traversé en ligne droite à peu près en essayant de me faire confiance et en regardant la map deux fois, donc ça va. Bourania. À chaque fois, je dis Bourania, je crois. C'est Bourania. Alors, c'est par où? Par là, hein. Je me fais trop confiance. Un peu trop. Parce que si c'est pas là, je vais avoir l'air d'un con, hein. Ah, mais c'est là, là. Mais c'est là, là, là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est bon. C'est bon, j'ai assimilé. À peu près. Ok. En tout cas, j'aime bien la zone. Et du coup, c'est le centre de recherche de Bec de Corbeau, quoi. Petit trésor de missile. Non, bon. On va passer de l'autre côté après. Non. Oh, la déception. Bon bah... Il faudrait que je tisse un bloc grappin, mais de l'autre côté, quoi. Non, y a pas de miroir là. Ouais. Y a pas de symétrie. Ah, la carte. La carte de Bourania, on l'avait pas. Nice. Il y a des icônes, j'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est. Oula, oulala, oulala. Ok, en fait, on a spawn au milieu de la map, quoi. Là, on est au milieu, mais on peut aller en bas. Donc du coup, j'imagine que ça nous mènera à Artaria. Et on peut aller en haut, donc vers une zone qu'on ne connaît pas. Et ça a l'air d'être notre objectif. Enfin, une zone qu'on connaît pas, ou Ferenia, hein. Peut-être que... Peut-être, hein. Ah, ça on connaît. Ça en revanche. Ah, le bâtard. Bien joué. On pouvait le counter. Ok. Oui, non mais oui, bien sûr. Hein? D'accord.
Allez. J'ai pas fait gaffe si ça a clignoté, mais ça devait sûrement clignoter. Eh, faut que je le refasse. Non mais... Je pouvais le grappin, je crois. Non, pas du tout. Ah ouais, bon d'accord, ok. Rigolo. C'est rigolo. Oh, ça me rend tellement rien envie. Ah oui. Counter, counter. C'est marrant. C'est trop marrant. Aïe. Allez, viens. Non, ça se counter pas, ça c'est pas marrant ça. Ça j'aime pas. En plus ça laisse du poison par terre et tout. Oh, l'horreur. Ah oui, non, ça non. Ça on a dit on fait ça. Mais non mais... Hop là, la parade de derrière. Stylé. On récupère notre vie. Ça passe pas. Il faut qu'on passe le tour. C'est encore vivant, hein. Encore vivant cette merde. Je sais pas ce que c'est, mais c'est encore vivant. Eh hey, mais, eh. Hey. J'avais pas fait gaffe, mais. N'empêche, 89 missiles, hein. Oula, ouais. Non, non, mais... Bâtard. Ah! Oh non, pas ça! Ah non, pas lui! Ah, pas... Non, pas vous! Vous, on vous aime pas... officiel, hein. Maintien. Ah. Ah bon, d'accord. Pas comment mais il est mort. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais, ouais, ouais. D'accord, j'étais pas prêt. Oh putain. Non. Ah, je l'avais eu. Ah, y a moyen de se faire des dingueries là. Non, j'ai envie de le faire vite. Ah, c'est le problème, j'ai envie de le faire en mode vite. A chaque fois je l'accroche mais j'y crois pas, du coup je lâche le bouton. C'est terrible ça. Terrible comme feeling. Ah ouais, non mais lâche. Mais je peux avoir directement le deuxième en fait. Y'a un truc que je comprends pas. Ah oui, non, c'est juste que... Mais non, mais... Allez, viens. C'est bon. Ok. C'est dégueulasse. Mais ouais, je vous avais dit que c'était en vie, cette merde. Oh, oh, oh. J'aime pas trop ça. Ah.
mais oui. Ok, mais j'avais pas fait gaffe. Observe ton environnement. Non. Saloperie. Bon, ok, bon, là, voilà. Là, ça se passait mal. Mais, on a compris. Enfin, je crois que j'ai compris. Vraiment, il me touche. Ça, c'est dégueulasse. Mais non, mais je voulais... Pareil, là, c'est dégueulasse parce que je voulais sauter. En vrai, genre, j'ai jamais le timing, en fait. Enfin, pas pour viser... Ça sert à rien, c'est un gros bait, le truc là-haut, là. En tout cas, pour l'instant, c'est un gros bait, quoi. Le gros, je sais pas si même... Non, je crois que même... Alors, hop, là. Ok. Non, je sais pas ce qu'il fallait que je fasse. Je sais pas s'il fallait que je tape ou pas. Mais ouais, je peux continuer ma méthode. Hein. Non mais il faut viser quoi. Bon, continue de faire comme ça. Avec les trois tirs, c'est bien. Je suis à peu près sûr de toucher, quoi. Je suis trop greedy. C'est terrible. Après, sinon, je peux charger mes tirs. Okay. Bon, pas pour faire ça, quoi, mais... Bon, on retente ce move. Le problème, c'est que j'ose rien lâcher. Ouais. Faut que je fasse un truc en plus là. Ok. On va retenter encore le move, mais... Non, ça paraît être une connerie. Ouais. J'aurais dû lâcher. Non mais... Pas sur le bon bouton. Ah mais je peux le toucher lui aussi. Ouais, non, pas convaincu. Convaincu l'option. À chaque fois il met un délai sur le deuxième là. Même pas ça. Non. Ouais bon.
Ah bon, on va spammer, hein. On va spammer, on va prendre notre temps. Et la plateforme, je sais pas, on n'y va jamais, hein. Moi, je propose qu'on n'y aille jamais. Ça me paraît bien. Et juste, on lui enlève ses PV comme ça. Et voilà. Non, il faut que j'essaye de lui tirer dessus normalement quand il est en phase couchée. Ah mais ça. Ah. Ah. Ah, ok. Ok, bon bah maintenant je sais. Ok, d'accord. Bon. Oh, j'ai raté tellement d'occasions de lui faire des dégâts. C'est terrible. Aïe. En vrai, si je meurs, c'est pas grave. Quelque part. Bon, je me sens pas à l'aise ce côté par contre. Je sais pas pourquoi. Non, ça. Ensuite on fait ça. Et j'appuie trop tard. Trop tard. Mais arrête de... Toujours pas de bouton. La max, la max, la max. Ok. Allez. Forcément. Mais ok. Ok, ok. C'est sympathique. Oui bon, je peux lui bourrer, hein. Je peux le bourrer en fait. Ok. Est-ce qu'il y a une autre phase? Ça a l'air bon. On a l'air d'avoir réussi à vaincre cette créature démoniaque. Nice. Ah, yes. Yes. Bon. Ah oui, du coup, on a libéré... la zone de son emprise. Évidemment. Ah bah... Ah non, hein. Quel enfer. Ok. Non mais en fait... Il faut juste que je me balance et voilà. Par contre ça m'a rien donné. Mais...
fait, c'est mieux de se déplacer comme ça, hein. Full grappin. Ah, là, on a un ascenseur. Ok, et là, on a une zone de sauvegarde. Ah. Du coup, il faut qu'on prenne l'ascenseur et c'est bon. C'est la suite. En fait, je me demande où elle est, la douille. Le truc, c'est qu'en vrai, je réfléchis par rapport au guerrier Chozo qui nous a attrapé au début. Donc, un bec de corbeau qui a adressé les ennemis contre nous. Ouais, non, obviously, il faut que j'aille là-bas. Le truc, c'est qu'il nous a attrapé. Bon, il nous a vidé de nos pouvoirs, donc j'imagine que ça peut être l'explication. En mode, il nous a attrapé, il nous a pas tué. Mais au lieu de nous capturer juste pour nous emmener un ennemi dans la gueule, pour qu'il extrait notre ADN, il nous a viré nos pouvoirs pour qu'on en chie, mais qu'on ait une chance. Bon, ça, voilà, ça c'est obscur. mais admettons. Mais je sais pas, ça sent la douille quand même. Y a un truc, là, y a un truc qui va pas, quoi. Parce que genre... Le parasite X... qui nous a envoyé... Il fout quoi dans cette histoire? Il a été envoyé à la Fédération Galactique. Il a pas été envoyé à Seimus en plus. Enfin bon, voilà. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Ok. Donc on arrive à Gavoran. Gavoran. Je ne sais pas. On va dire Gavoran, hein, sûrement. Bah, let's go. Oh. Oh la petite bête. Oh les petites bêtes. Oh, oh. Oh, c'est sympa. Semons la terreur et la désolation dans ces lieux. Non. Ah, mais c'est trop stylé. Oh, de la verdure. Oh, des petites fleurs. Incroyable. Ah bah ouais, mais vous êtes marrant vous, mais... Vous êtes marrant, mais j'y vais comment, moi? Bon, il me faut la Varia Suit. Non, pas la Varia Suit. La... Gravity Suit. Il me faut... Il faut que je puisse aller librement, où je veux. Quand je veux. Et il me faut ça aussi, les missiles verts. C'est quoi, c'est de la vie? Vie et missile. Oh bah la totale. Nice. Ok. Bon, ça saute dans beaucoup de trucs. Oh, oh, ça se counter ça. Marrant. C'est marrant. Ouais, mais on peut courir là. Techniquement, je peux faire. Je suis où? Je suis là. Boum. Par contre, la sale bait, hein. Bonne sale bait, hein. Ah ouais, ah ouais, ah c'est bien dégueulasse ça. Ah j'aime pas ça. Ah ouais, ça se... Le counter. Le petit counter. Ah. Mais attends, je te reconnais, t'es le boss toi. T'es le même. T'es la même espèce. T'es un sbire de bec de corbeau. Aïe. Ça se passe mal, hein. Ah, je pouvais counter ça. Ah, mais il y a une attaque que je peux counter sur 12, quoi. Enfin, l'attaque il fait jamais. Oh bah. Rip. Ah, c'était celle-là. Ça
mais c'est trop dur parce que un coup il fait cette attaque, un coup il fait l'attaque rouge. Non. Bah oui. Ah, oh, il voulait la faire là. D'accord. Bon, j'ai mal counter après, mais. Aïe. Oh, t'as voulu dasher là, à vous t'as voulu. Aïe, qu'est-ce que. Je sais pas, y'a des wall jumps que j'essaye de faire qui passent pas bien là. Qui se passent pas bien là. Ah, j'aurais pu tenter. Saloperie. Ok. Ils sont vénères un peu quand même. C'est sympa. Hein. Ok. Bon, y en a plus. Ok. Bon, commençons par monter. Ouais, commençons par. Attendez, quoi? Il y avait un truc là. Ah, boss vaincu, soldat, robot, chozo. Ok. Ok. Bon. Ouais, non. Bah, du coup, non. Autant aller voir ce qu'il y a en bas du coup avant. Ça me paraît être une bonne idée. Hein? Comment ça? Ah ok. J'ai oublié qu'il fallait parer. Ah bah oui. C'était sûr. Bah. Saloperie. Ah c'est oh. Oh vraiment? Vas-y mais monte Samus, allez. Elle me stresse. Ouais bah oui c'était sûr. Ok. Ok. Ouais non mais là c'est de là où je venais donc c'est là-bas la suite avec le Emi de mort. Ah ils sont revenus. Ouais super. Bon ben, let's go.
Ah oui, non, mais normalement ils sont désactivés. quel moment ils vont se réactiver là? Genre, on va pas me faire croire. Hein. Donc on a le violet, on a le bleu clair. Il nous en reste un encore, hein, qu'on n'a pas vu. Plus qu'un MX. Enfin non, du coup c'est pas vraiment un MX, il a pas été parasité. Tu t'approches de la surface. Cette zone, Gaboran, semble être Gaboran. Une forêt souterraine. Après il dit Samus, moi je dis Samus, mais... Les ennemis ont été désactivés. Mes becs de corbeau désirent toujours obtenir l'ADN de Metroid qui est en toi. J'ai analysé l'historique vidéo de votre rencontre à ton arrivée. Mm-hmm. Tu ne faisais pas le poids face à lui, mm-hmm. Et c'est toujours le cas. Il est vrai que tu as retrouvé plusieurs de tes compétences de combat. Cependant, mon analyse suggère que tu n'es pas à sa hauteur, même au maximum de ta puissance. Yes. Une chose m'échappe toujours. Pourquoi Bec de Corbeau t'a-t-il été bah ouais. Lors de votre rencontre? Ça, voilà. Il devait avoir une raison. Enfin, bon, épargné, ok, parce qu'il voulait mon ADN, mais pourquoi il m'a pas donné direct à un ennemi, quoi? C'est ça le truc. Ça, c'est bizarre quand même. Ou alors, son vrai but, c'est qu'on détruise tous les ennemis pour autre chose. Parce que les ennemis sont devenus les prédateurs naturels des parasites X. Et du coup, ça l'emmerde. Non, il veut pas attaquer. Ouais, super. Ah, bon, d'accord. Ok. Waouh. Quoi cette baleine vaudou? Waouh, non. Elle absorbe mon énergie vitale. En tout cas, elle tente de le faire. J'ai pas pu. J'ai pris plusieurs fois. Boom. 103 missiles, hein. J'avais pas fait gaffe, mais on a dépassé la barre des 100. C'est beau. Ok. Plein de papillons. Hein? Bah non. Attendez, je suis... Hein? Ah non, j'étais à... D'accord. Ok, j'étais à Burenia, donc... ok. Mais vraiment? Ok. Ça m'emmène là. Bah allons là, hein. Voyons voir où ça me mène. Hein. Et on descend. Alors on est de retour à Dairon. Ok. Ah, on est de l'autre côté de la zone où il faisait froid. Non mais... Et en vrai, bon, je vais prendre cher, mais... Voilà. Je pense que je me remercierai plus tard, en vrai. Parce que bon... Ok, c'est une zone de froid, mais là, bon, faut pas déconner non plus. Hein? Ok, ça c'est détruisable de là-haut. Module d'énergie. Ah mais là, la porte de froid, c'est bien, mais... Bon bah visiblement... Faut que je remonte, hein. Hop, on revient ici.
Bon, du coup, on s'en va de là. Hein. Ouais. Ah, mais... Là, j'ai problème. Ah non, pas encore. Non, mais vraiment. J'ai encore failli pré-shot. Hein. Par contre, je venais d'où à moi à la base? Ah, du haut. Oh yes! Le super missile. Nice! Super missile obtenu. Bon, ça me consomme 5 missiles, je crois. Hein. Il me semble que c'est un truc comme ça. Peut-être que ça a changé. Une version plus puissante du missile. Maintenez R et appuyez sur Y pour tirer. Consomme des missiles. Ah bah d'accord, c'est juste mon missile, il a été upgrade quoi. Ok. Bon, très bien. Hein. Pas très bien. Ça me va. Ça me va, ça me va. En plus, on a plein de portes du coup, comme ça, à ouvrir ici. Donc, ça tombe bien. Alors, oui, ça irait plus vite si je visais. Mais ce serait pas aussi drôle. Moi, ça me ferait pas rigoler. C'est trop facile. Oui, bon, oui. Ah, j'ai beaucoup de missiles, donc autant les utiliser. Regardez, en plus, le jeu, il me donne raison. Non, mais... Ah oui. Ok. Ok. Et là, nouveau truc encore. Ah, mais... Unité centrale, oui, bon, ça, ce sera pour buter, du coup, le Emi quand il se réveillera. On connaît. Du coup, ça va mener vers la surface. Pas du tout. Ça me mène à un petit endroit de mort. Donc, allons au petit endroit de mort. Allons sur Elon. Il y a beaucoup de zones, hein. Sachant que, en vrai, là, j'ai vraiment la sensation qu'on va devoir faire un demi-tour à un moment donné pour une raison ou une autre. Il va y avoir un truc, il va y avoir un twist, je le sens. Elun. Ah mais il y avait un... Non? Ah non, c'est juste la flèche verte qui m'a bait et j'ai cru qu'il y avait une porte super missile. Petite unité de sauvegarde. C'est vrai qu'on devrait pas tarder à s'arrêter aussi. Hein. Parce que là, pour le coup, on avançait. Là, une fois qu'on a compris où était le bon chemin... Bizarrement, on allait dans une direction où il semble que ça, voilà, il y a des cinématiques quoi. Scan terminé et on me laisse entrer. Non mais il y a un truc hein. Il y a un bait hein.
Franchement, c'est pas une porte. Pourquoi elle se casse pas? Ok. Ok. Il y a tout qui part en ruine. Non mais je veux pas casser ça, ça me trigger. Ah, c'est pas les mêmes champs de force. Non mais c'est vert aussi là, c'est... Oh, oh, oh. On dirait, ouais, on dirait qu'on est vraiment dans le repère des guerriers Chozo là. Enfin, j'ai l'impression. Ah. Ah. Saloperie. Ah non, hein. Ah mais du coup... Hein ? Un parasite X imitant un ennemi retrouve sa forme originale gélatineuse une fois vaincu. Samus peut absorber le X pour restaurer son énergie et ses munitions. C'est comme dans Fusion. Mais Et du coup, le bec de corbeau, il est pas... Il serait pas parasité par un X par hasard ? Pourquoi ils viendraient... Du coup ils sont vraiment là eux. Ouais, je crois que si on les laisse trop longtemps, il y a un délire du genre ils viennent posséder un ennemi ou une connerie du genre, non? Là c'est encore le cas mais... Faudrait qu'on essaye, faudrait qu'on les laisse... On les laisse faire et voir si effectivement ils font ça. Non mais ouais. Ah mais il vient vers moi ce petit bâtard là. C'est tous les ennemis qu'on connaît mais... Ah je pouvais pas. Petit bat. Ouais, bon, j'ai l'impression qu'ils viennent automatiquement vers moi, donc... Après, je sais plus, hein, ça se trouve, j'ai de la merde, mais... Il me semblait. Ou alors, c'est juste un traumatisme de voir les X récupérer le corps, justement, de leur victime, là. Ah, le pouvoir de... Voilà. Le rayon plasma. Le pouvoir des boucliers verts. Permet de tirer un puissant flux de plasma capable de transpercer plusieurs ennemis. Ah mais oui! Bien sûr! Et d'endommager les ennemis robotiques sans avoir besoin de charger. Appuyez sur Y pour tirer. Peut aussi détruire les blindages rayon plasma. Je me rappelle de ça. Mais oui. De ce tir-là. Ah mais oui. Ah oh ah. Oh le plaisir. Ah voilà. Ah oui. Ah mais c'est peut-être ça moi. Mon traumatisme, c'est de voir les X arriver comme ça et. Regardez, on laisse faire là. Et il est parti, hein. Il est parti, ce petit bat, hein. Il est parti se reproduire ailleurs. Non, mais viens ici. Ouais. Ah, il y a juste besoin de tirer en plus. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez. Mais c'est résistant ces merdes. Hein. Quel enfer. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs, c'est terrible. Ouais, non, mais vraiment. Incroyable. Ah
Ah oui, non, ce sera de l'autre côté qu'il faudra que je le fasse. Ok. Ok, ok. Non mais, allez. Il en aura mis du temps. Il aura mis du temps à se décider, lui. Cinématique. Ah! D'accord. Bon, on va se faire wipe, hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bah oui, mais bien sûr. Comme si je m'en doutais pas. Je lui ai dash pile dans la gueule, quoi. C'est incroyable. J'aurais pas fait mieux en voulant faire exprès, quoi. Oui, bon, allez, allez. Ok. Je sais pas si je peux le counter. Ok. Allez, la vraie phase. Non mais par contre il m'a mis méga cher, je crois. D'accord. Bah ouais, mais si tu rates le ouais. D'accord. Et là, je lui passe au travers. Ok. Oh non, j'ai voulu. Ah mais non, mais j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Je suis un connard. Je mérite, hein. J'avoue, je mérite, hein. Ah, j'ai spammé. J'ai spammé, ça a pas marché. C'est karma, ça. Mais ouais, non, au début, j'ai appuyé sur la touche de tir. Bon. Bah oui. Non, mais tout missile. Je vais juste bouffer des missiles dans la gueule. Y'a que ça de vrai. Voilà. Bras. Ça prévient avant quand même. Aïe. Bon, là on va essayer d'appuyer au bon moment. Voilà. Ah, bah oui. Fallait prévenir. Moi j'étais déjà en train de spammer pour tirer. Non, pas besoin. Ah si. Non, mais y'avait pas besoin de tirer. Mais ok. Le petit finish là qui met bien. Je t'ai dit que le jeu était agréable. Ok. Sauf quand Samus elle refuse de faire des wall jump par contre. Hein? Non mais m'étonne pas.
hein. Ah. Ouais mais... Non. Ah oui non, c'est le bloc qui se détruit pas. Ah oui, ça on peut passer là. C'est bon. Pas trop où je vais là, mais j'y vais. Ok, réserve de missiles ici. Ah. Je l'évite maintenant. Ou je le bait nécessairement. Ah ouais d'accord. Donc ouais j'avais pas le choix que de passer par là. Ok. Comment c'est fichu en termes de level design et tout. Alors c'est vrai que j'ai fait ça mais j'ai envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Du coup j'ai envie de tout bourrer quoi. Alors qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Un objet inconnu a été obtenu. Vous ne pouvez pas encore l'utiliser. Ah oui, non, mais non, oui. Ah, je crois que je connais, là. Oui. Oui. Donc, c'était avant d'affronter le mec bizarre, là. Enfin, le guerrier... le guerrier Chozo parasité. West, il était là d'ailleurs. Ouais. Ah oui, du coup voilà, moi j'étais monté, mais on pouvait descendre. Effectivement. Quel enfer. Quel enfer. Ils sont partout. Sont partout. Ah ouais, nouveau TP encore derrière. Ah mais vers Gavoron. Ah mais hein. Ah oui, je reviens. En fait oui, je m'en vais de cette zone de l'enfer où en fait je me suis rendu compte que finalement il y avait des. D'accord. Donc en fait ah ouais, ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là parce que je pense que l'épisode sera assez long pour vous aussi. Sachant que voilà, il y aurait juste le début ou le temps que j'aille jusqu'à Gavoron finalement. Que je revienne à Bourania. Ouais, vous aurez eu en ellipse, donc ouais, je pense que la vidéo risque d'être assez longue. C'est sympa, on a revu le Parasite X. Il est trop, j'aime trop la façon dont il est animé. C'est voilà, ça fait vraiment j'ai la vibe fusion qui revient. C'est insane. Je m'attendais pas. Ça, c'est voilà, c'est marrant. Donc bon, bah, j'ai hâte de voir la suite, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Prenez soin de vous, c'était Blue. Bye bye.